Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour notre série challenge, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes où je faisais mes lives. Enfin, pour ceux qui étaient présents à la dernière vidéo de Gym Douce, aujourd'hui, on va faire donc des challenges. Hein. Chaque semaine, je vais vous proposer un challenge différent que vous allez pouvoir faire directement de chez vous. Et aujourd'hui, ça va être un challenge pour renforcer les jambes. Donc surtout pour essayer d'aller chercher un aspect tonique, un aspect dur au niveau surtout de votre quadriceps, donc votre cuisse. Donc ça va être un petit mélange de phases statiques où on va faire voilà, des isométries. Hein. On sera en mouvement stoppé, on ne bougera pas. Là, pour vraiment venir faire chauffer au maximum, on fera des mouvements concentriques. On va venir faire par exemple des squats avec un mouvement continu. Voilà, le but, ce sera comme je vous disais, hein, vraiment de faire brûler au maximum les cuisses. Alors ce type d'entraînement-là, vous pouvez le faire très bien. Enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire plutôt en fin de séance, si vous faites une séance pour les jambes, si vous allez courir, si vous faites voilà, différents types de séances de chez vous. N'hésitez pas à la mettre plutôt à la fin, parce que c'est vraiment un exercice pour fatiguer au maximum et pour avoir l'impression d'avoir cramé ses cuisses. Voilà, vous pouvez aussi le mettre au départ pour faire de la pré-fatigue, mais ça va être assez hard ce que je vais vous proposer. Il vaut mieux le mettre à la fin. Voilà. Alors bah, comme d'habitude, pour le faire, vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de place. L'idée, ce serait d'avoir au moins 2 mètres carrés. On va pas faire trop. On va pas bouger beaucoup. Voilà, et bah écoutez, je vais vous proposer d'abord de l'échauffement. N'hésitez pas à mettre une petite pause pendant la vidéo, une fois que je vous propose des échauffements, pour les faire encore un petit peu chez vous avant qu'on débute, histoire que vous soyez bien prêts à partir. Moi, je vais peut-être les faire un petit peu plus longtemps si je recommence ce challenge-là pour être bien chaud. J'en ai fait un peu avant, donc voilà, ça devrait aller. Mais oui, n'hésitez pas à le faire un peu plus chez vous. Voilà, bah écoutez, je vais vous proposer les petits mouvements qu'on fait et puis après je vous montre tous les exercices et vous allez devoir essayer de me suivre. Allez, on est parti, je vais mettre un petit peu de musique. Hop. Alors, premier réchauffement, exercice, on va venir ici, juste monter la jambe et venir tourner. Ça, on l'a déjà fait dans les vidéos d'avant. Hop, on monte, on vient tourner, le pied avance à l'âge, le bassin reste fixé. Voilà, ça c'est notre premier exercice. Je vous laisse le faire, le répéter un petit peu. Le deuxième, on vient mettre nos mains sur les genoux et on vient basculer d'un côté, de l'autre, devant, on revient, voilà. On essaye de venir un petit peu dans toutes les positions, préparer l'articulation du genou, voilà. Je viens me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir ce mouvement-là. Donc ici, je reste les mains sur les genoux, vers le dos droit, je viens descendre sur un squat, je remonte les fesses et je me redresse, ok. Je descends le buste, on l'a déjà fait, c'est pareil, je viens fléchir, hop. Je redresse. Allez, un dernier. Tac. Je remonte d'abord et je redresse. Parfait. Donc là, voilà, je vous laisse mettre une petite pause si vous voulez, le réitérer un petit peu ces exercices. Et après, on recommence pour être bien chaud. Et puis après, vous commencez ce que je vous propose maintenant. Allez, vous mettez en position de squat. Largeur de jambe, enfin, largeur d'écartement à peu près identique à la largeur du bassin, voire même un petit peu plus. Ok. Allez, on est parti. On va commencer par du squat simple. Donc, hop, on essaie de descendre en dessous des 90 degrés, toujours en gardant le buste bien droit, d'accord? Hop, j'inspire sur la descente, je souffle sur la montée. Allez, on continue. Dans deux squats, je vais mettre un stop. Je vais maintenir une phase d'isométrie. Ok, allez, là je viens descendre et je maintiens. En dessous de 90 degrés, je me force. Je tiens. Allez, 3, 2, 1. Je viens mettre des petits rebonds. Hop, je reste en position, je maintiens, je peux avoir les mains devant si je veux, c'est vous qui voyez. Je tiens dans cette position, je suis toujours bien droit, redressé. Allez, top, on remaintient, statique. Surtout pensez à bien respirer hein, sur ces efforts-là, c'est important. J'inspire longtemps, je souffle longtemps. À la suite de ça, on partira sur du squat sauté, d'accord? Donc avec de l'explosif, on mettra un espace entre le sol et nos jambes. Allez, 3. 2, 1, allez, on enchaîne, squat sauté. Toujours pareil, même écartement. On souffle, on continue à monter. Allez, ça commence à brûler. On tient, c'est bien. J'inspire, je souffle sur la montée. Encore. 2, et 1. Ok, je maintiens. Je reste en position. Et là, on va venir faire des avancées et reculer. Allez, j'avance, je fais des petits mouvements.
Là, des achats chauds. Je reviens vers l'arrière. Allez, on maintient. Top. On repart pour du squat classique. J'inspire, je souffle. Profitez de cette phase-là pour que le sang essaye de s'évacuer un petit peu, être moins congestionné. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, je le maintiens, je tends la jambe. Je reviens, je tends la jambe. Allez, on continue. C'est bien. Reste statique sur cette jambe-là. Et j'envoie l'autre. On tient. Je ne vais pas vous voir vous redresser. Allez, courage. On respire. Dans deux, on reviendra faire nos petits rebonds. Allez, on maintient. On reste en statique, petit rebond. On respire. 10, 7, 3, 2, 1. Allez, on repart. Squat classique. On revient, on remonte. Allez, on respire. Très bien. Encore 3 squats. Et on viendra faire squat sauté. Allez, 3, 2, 1. Allez, on squat. Sauté. 2, 3, 4. On part pour 7. 6 et 7. Allez, on maintient. On est parti pour 20 secondes. Et après, on stoppe. Allez, courage. On maintient. Encore, encore. On va jusqu'au bout. C'est dur. 10. Allez, 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 allez. On arrive à la fin de notre challenge. 2, 1, ok, on se redresse, c'est bien, on marche. C'était dur, on a bien poussé sur les quadris. On a congestionné. Parfait. Allez, n'hésitez pas à marcher, on boit un petit coup. Et voilà, bah écoutez, j'espère que, alors ce n'est pas un niveau hyper facile ce que je vous ai proposé, j'espère que un maximum d'entre vous arrivera à aller jusqu'au bout. Et puis bah écoutez, je vous souhaite bon courage, allez à la prochaine. Salut.